Bien, salut petits amiraux et grand capitaine, ou le contraire, mais c'est pas grave. Ici Starkal votre hôte et nous sommes en vidéo du premier de la classe avec notre ami Polon 80 qui a acquis son Lexington et qui a fait une bataille apparemment où il sort avec les honneurs. Donc nous allons bien voir ce qui va se passer. Nous sommes sur les deux frères. C'est une carte qui est pas mal pour un porte-avions, je pense. S'il a une île où se cacher. Et il peut frapper vraiment assez bien. Il peut surtout servir de détection en fait pour tous les navires qui peuvent tirer très loin en B. A voir. Ou bien en C bien sûr, ça dépend de l'équipe. Donc Lexington. La bataille commence. L'équipe en face, il y a un Grave Zeppelin. Oups. République Yamato, où il y a qu'il a que des Randisses, 2 Richelieu, 1 Tirpitz, Kutuzov, 2 Shimakaze, 1 Yuang, 2 Fletcher. Ouh! Ah oui, d'accord, il y a 5 destroyers en face. Donc faut qu'il fasse gaffe aussi aux destroyers qui vont essayer de le chasser. Donc pour l'instant, étudie la carte, je pense, à mon avis. Il y a un mec dans le chat qui fait 5 foutus destroyers. Et chez eux, il n'y en a que 4 seulement, donc bon. Il y a un mec qui dit « Oh, ça va être super amusant, big fun !» J'aime bien voir de haut comme ça. Aussi, sympa. Alors, ils ont fait des vidéos où ils expliquaient qu'ils allaient changer le gameplay des porte-avions. Et que ceux qui jouent les porte-avions à qui ça plaisait comme ça, pourront faire rembourser leur porte-avions, etc. s'ils veulent pas jouer les nouvelles moutures des porte-avions. Ah ah, des bombardiers torpilleurs ennemis arrivent sur le Shimakaze. Et Polon amène ses avions, ses chasseurs pour protéger. Il va essayer de faire un strike à mon avis. Enfin un strafe, excusez-moi. Ouh oui, ils viennent sur lui en fait. Ou sur un cuirassé. Ah, le type en face connaît son boulot. Il va éviter quand même de se faire tuer ses avions. Là, il va essayer de faire un strafe aussi, peut-être. Polon ramène ses avions au-dessus de l'Alabama. Il a bien raison, parce que l'Alabama a un très très bon anti-air. Il a bien protégé l'Alabama, bravo. Quand on regarde la mini-carte, comment la bataille va se dérouler. Alors, je sais pas si je peux mettre les noms sur la mini-carte des navires. Pas sûr. Bon, on verra bien plus tard. Pour l'instant, Polon se retire en fait, et il y a des avions qui commencent à des avions recommencent à passer, là, regardez. Ils veulent essayer vraiment d'avoir Polon, quoi. C'est évident. Hop, il va essayer de les strafer, non, peut-être pas. Ah, il a défendu et l'élément neutralisé. Ah oui, il attaque en même temps, c'est vrai. Pas oublié, il attaque. J'oublie à chaque fois, mais en fait il est ses avions en fait comme l'autre. Il mobilise tous ses avions en fait contre une partie de la carte. Polon peut utiliser ses bombardiers, ses torpilleurs tranquillement sans avoir à craindre les chasseurs de l'ennemi quoi. Ça c'est génial ça. L'ennemi il utilise ses chasseurs pour protéger ses bombardiers normal. Donc ils sont pas ses bombardiers, ses torpilleurs ne font rien. Parce que Polon est en train de les occuper à mort. C'est excellent. C'est absolument excellent. Polon est multitâche, hein, je sais pas comment il fait pour faire tout ça, mais alors il essaie vraiment de l'avoir, hein, il veut essayer de l'avoir le... Il perd un temps fou quoi le porte-avions ennemi à essayer d'avoir le Lexington quoi, franchement... voilà, ça y est, il commence à passer à l'attaque quand même. Le Richelieu... Ah, on sent ça sent le strafe là. Ouais. Il a détruit deux avions, trois avions ennemis en strafe, et là les chasseurs passent en dogfight. Ah, il a quitté le dogfight pour faire du strafe, bravo. Ah, superbe. Il a perdu des avions, mais en même temps... Oula, les chasseurs du Grave Zeppelin sont terribles. Son MSRCH 102, je suppose. Ouais, il perd pas son temps en strafe, en fait. Il préfère perdre ses avions plutôt, pour détruire des torpilleurs plutôt que le contraire. C'est un sort du sacrifice qui est sympa, en fait, pour les... Surtout qu'il y a des réserves, il a 11 chasseurs en réserve, ça devrait aller, je pense. L'ennemi doit être un peu dépité en fait. Qu'il ait refusé le combat tournoyant. L'ennemi n'a pas strafé par contre. Ça c'est bizarre, mais bon. Ou alors j'ai pas vu le straf. Bon, hop.
La bataille se déroule comment? A est prise, B est prise par l'ennemi, D est prise par l'ennemi mais contestée par un destroyer. Donc on est à 414 à 427, un navire détruit chez eux, un navire détruit chez, dans l'équipe de Polon. Deux cuirassés d'ailleurs, j'ai l'impression. Non, un croiseur et un cuirassé quand même. Ouais. Polon signale, attention à la case E5. Je pense qu'il signale au destroyer qu'il faut qu'il agisse un peu quand même peut-être. Ou alors il y a des... Ah, il y a un destroyer dans la passe. D'accord. Un destroyer ennemi qui est dans la passe, on dirait. Ou les mêmes deux. Voire deux. Polon va aller chercher, va voir un petit peu. Il y a un destroyer dans la passe, deux destroyers sur D et un destroyer sur A. Mais où le dernier, le cinquième, il est où? J'ai l'impression qu'il y en a... Non, c'est bon, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a qu'un seul dans la passe. Il a disparu. Voilà. Hop, le Yue Yang vu. Les chasseurs de l'ennemi s'approchent des bombardiers. Bon, là, l'Alabama lance son entière. Ça va chier. Par contre, les chasseurs de Lexington sont un peu en retard, c'est normal. Pour l'instant, il n'a pas fait de quoi faire un premier de la classe, mais il a très bien joué son jeu en fait. Alors les torpilleurs, je sais pas quoi ils jouent en fait, torpilleurs de l'ennemi. Ils veulent qui? Le Shimakaze? On dirait. Ils vont l'avoir ou pas? Ouh, c'est chaud. Ah non, il a évité les torpilles. Ah non, il y a pris une quand même. Il y a pris une. Ah bah, il a détruit un navire, qui est le Fletcher. Bravo. Il l'a eu bah, dans le centre, j'ai l'impression. Il y a quand même 3 navires dans le centre qui sont morts. Hein. C'est impressionnant. Ouais, c'est ça, il a détruit le Fletcher au centre. Dans le détroit, on l'a pas vu parce qu'il garde son attention sur ici. Il est multitâche, je vous l'ai dit, il est multitâche. C'est incroyable. Ouais, torpille d'un destroyer. Les chasseurs du Grand Zeppelin sont terribles, hein. C'est fou ça quand même. Ils sont terribles. Polon a essayé de faire du strafe, il est parti en fait. En fait, c'est bien aussi pour partir le strafe. Le Shimakaze Ami a été détruit par le Yue Yang. Donc regardez la position de Polon. Ah, il domine complètement les airs en fait. Enfin, les airs. Il domine la partie stratégiquement en fait en D. Mais D a été reprise. Parce que le Destroyer a été détruit. Tiens, il y a Ra du P08. Polon 80, c'est marrant ça. Bon, ça a l'air d'être une partie qui va s'éterniser, mais de bonne manière. Un tirpit a été détruit par le Xianyang, ce qui fait que l'équipe Ami commence à prendre le dessus vraiment là. 700, on va dire 659 à 406, ça sent bon pour l'équipe. Ah, ils ont perdu l'Alabama, donc ça sent moins bon déjà. Ah, il y a Yamato, c'est vrai. Et Yamato, il est en F10. Ça craint un peu quand même. Il va essayer d'avoir le Shimakaze, je pense. Ouh, joli. Avec en plus un incendie provoqué. Bon, l'autre a pu l'arrêter sans problème, à mon avis. Les deux destroyers là sont visibles, mais ils vont aller sur B juste après derrière. Hein. Donc rien n'est perdu pour l'ennemi, rien n'est gagné pour les amis. Hein. C est en train d'être pris par un destroyer, tiens d'ailleurs. Ah, c'est un peu amusant ça. Et ils peuvent rien y faire si le destroyer est vraiment bien caché. Le porte-avions ennemi peut peut-être le détruire, mais... Ah, voilà les portes des... Le Kurfürst va prendre cher. J'ai l'impression. Ah bah voilà, on peut pas être partout à la fois, hein, donc... Il a plus que très peu de chasseurs. Tiens, c'est bizarre, là. Il attaque... Ah si, il attaque quand même. Ah, c'est une attaque bizarre en... En quinconce, en fait, les torpilles, c'est bizarre. Ouais, bon ben, le Kurfürst est mort, c'est pas la peine. Voilà, hop, terminé. 4 navires détruits chez l'ami, 5 chez l'ennemi. Le Yue Yang est ici, et le Shimakaze aussi. Donc il faut qu'il se défende aussi, parce que là, ils vont aller le chasser, hein. Oh, joli tir de torpille là, alors là chez Makaze, Yue Yang il va prendre deux torpilles là. Voilà, kaboom.
joli tir. Shimakaze, enfin le Yeyang va faire le Shimakaze va faire ça va être chaud. Le Hana qui dit que les DD sont inutiles, mais finalement ils ont quand même prissé hein, quelque part. Bon, il a raté, c'est pas grave. On a quand même détruit deux destroyers quand même. Hein, C'est un spécialiste du tir au destroyer en fait. Le Shen Yang il est mal là. Hein. Il est très très mal. Pourquoi il fonce, je sais pas, mais il aurait dû faire un demi-tour, mais bon. Bon, le Grazepi n'est pas mauvais du tout, hein. Alors là, par contre, les chasseurs, il a compris, hein, Lexington. Les chasseurs contre chasseurs du Zeppelin, c'est pas non plus. C'est pas non plus vraiment l'intérêt pour lui de combattre. Le Shen Yang vient de mourir. 5 navires détruits dans l'équipe amie. 7, 8 dans l'équipe ennemie. 803, bon 34 000 et 2 navires coulés, c'est pas non plus du. Enfin, premier de la classe quoi. Y'a un Yamato, tiens. C'est pas des matières dans lesquelles on fait premier de la classe, donc bon. Ah, le Shimakaze. Ah, s'il détruit la Shimakaze, là, c'est, ça va être beau. Ça va être super beau là. Touché, pas de feu et pas assez de destruction, mais la Shimakaze il commence à flipper à mon avis là. Il se dit ce porte-avions c'est une terreur. Un anti-destroyer terrible. Bon, la partie semble être bien engagée quand même pour l'équipe de Polon. 3 basses prises, il y a que Yamato qui a survécu en face. Et un autre, le Richelieu, regardez, un Graf Zeppelin qui ne doit plus avoir beaucoup d'avions non plus. Alors le Richelieu avance avec l'Édimbourg. Et il tire sur le pauvre Richelieu, l'autre Richelieu, le Yamato étant au nord. Ah ah, le Richelieu va se prendre des torpilles du Lexington. Deux avions abattus. Bon, évidemment, on peut pas faire grand chose, hein, malheureusement. Ah, il prend des coups. Et Yamato doit lui tirer dessus, je pense, à mon avis. Il lui a tiré dessus, je pense. Là, il essaie de se mettre en place pour tirer, mais là, il perd trop de torpilleurs. Là, il est mal. Ce qu'il faut, c'est éliminer le destroyer, le Shimakaze. Ah, il a touché quand même une torpille sur Yamato. Le Giri a tiré ses torpilles vers le Yamato aussi. Shimakaze a disparu. Il est toujours là. Oui, il a reçu des coups du Yamato, hein, ça se sent, là, ça se voit. Regardez ses points de structure au Lexington, là, aïe, ça fait mal. Le Yamato de l'équipe ennemie va enfin affronter le Yamato de l'équipe ennemie. Qui lui a évité les torpilles, bravo. Superbe, il a vu les torpilles en fait, le Yamato, bien avant. Je pense que le destroyer les a spotés pour lui. Enfin, les a spotés. Les a détectés pour lui. Ah, par contre, Yamato va se faire spocaliser là, je pense. Hein. Shimakaze est là. Bombardement. Attention. Ouh, c'est 3 lanceurs de 5 Shimakaze. Oh, c'est chaud quoi. 3 défendus. Là, il y a un chasseur. Allez, il fait un petit strafe, un chasseur. Le Yamato ici passe le côté. Vaut mieux d'ailleurs. Ils avaient pris une torpille, je pense. Ah non, ce sont les îles qui ont pris les torpilles. D'accord. Le torpilleur ici va le distraire. Le Guerrier de l'Édimbourg va se mettre à tirer de toute façon sur le Graf Zeppelin. Il est mal, lui. Il est grave, il est mal, le Graf Zeppelin. Et les Richelieu aussi d'ailleurs, mais Richelieu peut sortir les amours hein. Assez rapidement je pense. Donc les Yamato faut qu'ils en finissent. Oh, le Yamato qui est sur l'île là, c'est assez amusant. Ou 6 bombes sur les Yamato, 3 incendies. Oh, c'est chaud là, c'est chaud parce que là, le Yamato qui est ici, là il va voir sortir l'autre Yamato, ça va être terrible.
Ah, il est caché, on voit là-bas face au Richelieu. Oh là, là c'est la confrontation que je veux voir. Hein. Mais je pense qu'il fait pareil. Je veux voir la confrontation, je veux la voir. Je veux voir le tir. Je veux voir le tir. Excellent. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, les deux, là, les chasseurs ils chassent, le chasse son dernier chasseur, quoi. Incroyable. Ah bah, voilà, terminé. Donc, au point, ils ont gagné 1000 points. On se retrouve pour les statistiques, les amis. Eh bien, nous retrouvons pour les analyses des statistiques de la bataille de Polon avec son Lexington, qui était assez réussi, faut bien le dire. Et superbement joué contre les destroyers, là, franchement, je suis assez sous le charme. Alors, nous avons 244 000 crédits gagnés, normal. Je pense pas qu'il soit en premium, mais on dirait qu'il l'est quand même, avec ses 6512 points d'expérience. Je sais pas, peut-être que c'est le camo et les pavillons qui font ça. 489 points d'expérience type, normal, c'est la moitié, c'est le 5% des points d'expérience gagnés. Deux frappes dévastatrices sur les destroyers, donc. 100 000 points de dégâts, donc sur le rang x 10 000, 80 000, il est à plus de 20 000. Donc c'est une... Et pour les bataillons, je sais pas comment exactement, comment analyser ça, parce que je rappelle que les porte-avions aussi ils font beaucoup d'expérience en détruisant des avions ennemis. Donc voilà. Donc il a 5 torpilles au but, 11 coups à la cible à la bombe, 13 avions détruits, 10 éléments neutralisés, 2 navires détruits, 6 incendies provoqués, 4 inondations provoquées et 7 défendus. Donc très bonne bataille pour Polon, franchement. Hein. Surtout qu'il était en rang 8 face à des rang 10, hein, donc surtout des destroyers rang 10, ça fout un peu les boules. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on va passer au panel suivant. Alors, il est premier de la classe avec 2149 points d'expérience. Il est loin derrière tous ceux qui sont en dessous. Hein. J'adore ces petits commandants de Choupi qu'il a mis. Je crois que c'est un mode à mon avis. C'est le mode ARP ou mode HSF, c'est pas possible. Alors, il est premier de la classe avec 2 navires coulés, 13 avions abattus, 2149 points d'expérience. Alors, on va regarder après dans les statistiques détaillées pourquoi, dans le rapport détaillé. Alors, on regarde bien, la plupart de l'équipe a fait plus de 1000, sauf ceux qui sont en dessous, mais ils ont quand même fait des scores honorables, hein, toujours 722 et 971, c'est honorable. C'est pas extraordinaire, mais c'est honorable. Mais quand même, Lexington, enfin le Polon, a centralisé pratiquement toute l'expérience. Hein. 2149, bon, voilà. En face, ils n'ont pas été minables. Il y a quand même 3 qui sont au-dessus de 1000. Et les autres n'ont pas fait des scores minables, à part les 2 derniers ou 3 derniers, là, qui n'ont pas été extraordinaires. Mais les 1000 s'est pas fait rouler dessus. Le Grâce des Plaines n'était pas mauvais. Hein. J'ai pas vu. Il y avait des avions, ces chasseurs sont supérieurs au niveau des. Bah, ceux du Lexington, par contre, ça c'est un peu étonnant. Étant donné la capacité et la résistance des chasseurs américains. Mais bon. Quoi qu'il en soit, ils sont bien affrontés tous les deux. D'ailleurs, on regarde, leur Zeppelin a fait 2 navires détruits, 21 avions détruits, 1078 points d'expérience. Donc, il n'a pas été mauvais du tout. Hein. Enfin bon, malheureusement pour eux, ils ont perdu. Heureusement pour l'équipe de Polon, ils ont perdu. Bon, bah les deux équipes ont fait une bonne bataille, je pense. Hein. Il n'y a pas trop tortillé. Il y a quand même 6 navires qui restent en équipe amie. 4 qui restent dans l'équipe ennemi, hein, donc il y a quand même, c'est juste au point, et encore les points, c'était 1000 à 821, j'ai vu le. Donc c'était assez serré quand même comme bataille. Je pense que l'équipe ennemie aurait mérité plus de points d'expérience. Ils ont quand même fait du bon boulot. Non, franchement, j'avoue là. Enfin bon. Parce que les destroyers de l'équipe de Polon n'ont pas été super non plus, mais ils ont quand même fait du boulot qui permettait de. Là, le Gearing, il a mis 123 quand même, le premier Gearing. Hein. Radup 08 là. Donc c'est pas n'importe quoi non plus. Je sais pas comment analyser ça, mais en tout cas c'était une belle bataille stratégique. Je crois que Polon l'a apprécié. C'est pour ça qu'il a réussi à être premier de la classe. Et surtout moi j'ai bien apprécié à la suivre. C'est impressionnant toujours la manière de voir un porte-avions. Il faut être multitâche avec un porte-avions vraiment. On peut pas être à un seul endroit. Il faut vraiment faire tout à la fois. C'est impressionnant, j'y arriverai pas. Alors ensuite. Ah si, je peux y arriver, pardon. Je pourrais y arriver. Seulement sur un jeu solo où on peut faire des pauses. Je suis pas multitâche, je suis pas assez jeune pour ça, de toute façon mon esprit malheureusement se détériore avec l'âge, c'est normal. Alors les dégâts détaillés, nous avons donc le Yue Yang 13 000 points et coulé, le Fletcher 10 000 points coulé, 61 000 points de dégâts sur le Yamato, donc il y a une grande partie en incendie aussi je pense, 10 000 points sur le Shimakaze, dommage il l'a pas coulé. 3600 sur le Fletcher et 13 avions détruits sur le Graf Zeppelin. C'est vraiment là, il était chasseur de DD là. C'était vraiment le chasseur, il s'est focalisé sur les destroyers. C'est ce qui est normal puisqu'il y avait 5 destroyers en face, fallait les éliminer quoi. Alors, ensuite, il a fait deuxième panel quand même.
avec Shimakaze. Ah bon ? Ah bah c'est tout ? Ah bah d'accord. Shimakaze, il a touché pour quelque chose, je pense, à mon avis, mais il a pas fait de dégâts. Alors, 100 000 points de dégâts. Donc, comme j'ai dit, c'est rang pour rang fois 10 000, c'est plus 20 000, donc c'est excellent. Il a fait 65 000 points de dégâts à la, avec les avions, donc 31 000 à la bombe, enfin aux bombes, et 33 000 aux torpilles. 35 000 en incendie et en inondation. Donc, mais 33 000 en incendie sur le Yamato, je pense. Il a fait 3 incendies sur le Yamato quand même. Yamato n'a pas pu les arrêter, je pense, parce que sinon il aurait pas eu tant d'incendies, à mon avis. Ensuite, navire de guerre détecté 2, navire de guerre endommagé 3, avion détruit 13. Alors, il a fait 61 000 dégâts, enfin, il a permis 61 000 dégâts grâce à détection. Il a permis un incendie grâce à détection. Il a tanké 222 000, le pauvre. Il a un nombre de navires de guerre détectés 9, 6 escadrons détectés, 55 torpilles détectées, point de capture 0, mais il a fait point de défense 53 sur 36. Donc là, les points d'expérience sont, je pense, vont être répartis assez, vraiment de manière diverse. Pour les dégâts, je pense 60%. Je pense 60%, ouais, 70% pour les dégâts, déjà c'est pas mal. Les coulées, les destroyers coulés, c'est vraiment important. Et les 30% qui restent, je suis un peu mal à l'aise. Je dirais 30% qui restent, il y a quand même au moins 15% qui passent dans les points de défense. 5% dans le gain potentiel, même pas. Et le reste, c'est tout ce qui est détection, vous voyez. Torpille détectée, escadron détecté, navire de guerre détecté et dégâts dû à détection. Tout ça, c'est pour un porte-avions, c'est très important. Donc, et les chasseurs détruits, bien sûr, enfin les avions détruits. Donc voilà à peu près mon analyse. Je pense pourquoi, comment. C'est assez difficile d'essayer de répartir pour un porte-avions les points d'expérience, franchement. Surtout quand quelqu'un a fait autant de détections là, comme ça, là, c'est un peu dur. Mais je sais pas. J'essaie d'évaluer, mais c'est difficile. Bon bah si vous avez votre analyse, n'hésitez pas à la mettre dans la commentaire sous la description. Moi je vous dis au prochain panel. Passons sur. Hop là. Sur le prochain panel, j'ai dit. Voilà. Hop. Et il n'était pas en premium, comme j'avais dit. Donc 167 000 crédits au total il a réussi. Bah, en premium, il aurait eu 9700 points d'expérience quand même. Ouh. Donc 6500 points d'expérience de base. Enfin de total. Il avait sapin givré, donc plus 100%, bonus journée de victoire plus 100%, donc c'est un week-end spécial à 100%, et bonus du clan plus 3%, donc ok. Il avait 489 points d'expérience civile, donc c'est pas 5%, hein, je me suis trompé. C'est bizarre d'ailleurs, j'ai cru voir sur le premier panel, qu'il avait fait quand même. Hop. Ah oui, 489, donc oui, c'est normalement il aurait dû avoir 370, donc il avait un petit truc en plus, je sais pas ce que c'est. On va regarder dans le panel. Si on peut voir. Non, on peut pas voir apparemment. Il y a le sapin givré, bonus du navire, non. C'est ça, c'est le sapin givré qui donne quelques bonus d'expérience libre, je crois. Peut-être 50% en plus, peut-être. Je sais pas. Faudra regarder. En tout cas, super bataille à toi, Polon. Vraiment, tu mérites largement ton premier de la classe. Capitaine et Amiro, moi je vous dis à très bientôt. Longue vie, prospérité, et surtout, portez-vous bien. Ciao!